Ah là, cette musique d'intro, je m'en lasserai jamais. Salut à tous, c'est Ralga pour un nouvel épisode de Regard dans le rétro. Et aujourd'hui, vu que j'ai fini Lucky Luke la dernière fois, on va commencer un nouveau jeu. Ce jeu, c'est The Secret of Monkey Island, donc jeu sorti en 2009 sur PC, Mac, Xbox 360, PS3 et iPhone. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas du tout rétro ton jeu, tu te foutrais pas un peu de notre tronche? Eh bien, ce jeu est un remake. Enfin, une version HD du jeu original. Un jeu original sorti en 1990 sur Atari ST, Amiga, PC et Mac. Et Mega CD. Et développé par LucasArts, la regrettée LucasArts qui n'existe plus maintenant. Et qui, à l'époque, s'appelait encore Lucasfilm Game. Et donc, pour varier un peu, parce que j'ai quand même fait quasiment que des jeux de plateforme depuis le début... cette fois-ci, ce sera un jeu d'aventure, et plus précisément un point and click. J'expliquerai plus tard ce que c'est, là je vais vous laisser la cinématique d'intro. Hi, my name's Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Ah, well then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. I see. So, you want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. You'll find them in the scum bar. Gosh, thanks. I'll do that. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck! Where did you say those pirate leaders were? The scum bar. Right. Thanks. Donc voilà, maintenant je suis lâché dans le jeu, hein. Donc, première partie, les trois épreuves. Voilà. Donc, un point and click, pour ceux qui ne connaissent pas le genre, qui a totalement disparu maintenant, hein. Enfin... Il doit encore y en avoir qui se font, mais c'est très très rare. En gros, on dirige à la souris. Donc je vous montre la souris. Et j'ai une liste d'actions possibles. Hein. Donc marcher vers, en l'occurrence, c'est tout ce que je peux faire avec ce que je pointe. Là, je peux ouvrir la porte, marcher vers la porte. Voilà. Donc le scumbar, là où je suis allé. Donc je vais rentrer tout de suite. Et je vais aller tout de suite aller voir le PNJ qui m'intéresse, le pirate. Ahoy there, stranger. New in town. Et la particularité, c'est que donc j'ai une liste de choix possibles. Guybrush Threepwood. That's the stupidest name I've ever heard. Donc là, je sais pas, Guybrush me plaît bien. But it's not even a name. Well, what's your name? My name is Mancombe Seepgood. Ce qui est pas beaucoup mieux. So, what brings you to Melee Island, anyway? I want to be a pirate. I want to be a pirate. Oh, really? You should go talk to the important-looking pirates in the next room. They're pretty much in charge around here. They can tell you where to go and what to do. Donc voilà, je dis tout ce que je voulais. Il m'a dit tout ce que je voulais savoir. Donc, pour devenir un pirate, faut que j'aille dans la pièce d'à côté. Donc, avant, je vais aller parler au chien. Parce que le chien, il est drôle. Comme vous pouvez le voir, l'humour de ce jeu est particulier. Hein. Je rappelle qu'on est en 1990. Ce genre d'humour a été très peu vu dans les jeux vidéo. Hein, cet humour stupide, très second degré, très moqueur. Mais c'est ce qui a fait la renommée de ce jeu, hein, qui a été très bien critiqué à l'époque, tout ça. Hop, donc du coup, faut que j'aille dans la pièce à côté maintenant.
Si j'arrive à emmener la souris jusqu'à... Voilà. Donc, marcher vers Pirate Island important. Leur parler. Donc, I want to be a pirate. I want to be a pirate. So what? Why bother us? Hey, don't forget we're short on help because of this whole LeChuck thing. So... So, no pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Do you have any special skills? I can hold my breath for 10 minutes. Well, all right, but you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the three trials. What three trials are those? There are three trials every pirate must pass. He must master the sword. And the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Right. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Grog! Donc voilà les trois épreuves. Donc les explications pour les trois épreuves. First, get here a sword. Merci Captain Obvious. Someone in town can probably direct you. Oh! You want to find somebody to train you first. Imagine trying to take on the Swordmaster without any training. Donc l'épée c'est bon, l'art du vol maintenant. Mastering the art of thievery. We want you to procure a small item. The idol of many hands in the governor's mansion. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're a particularly vicious breed. They might be able to drug them or something. Et donc la troisième épreuve, la chasse au trésor. Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, I can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot. Donc voilà, bon allez, un petit moment d'humour. Kerosene, propylene glycol, artificial sweeteners, sulfuric acid, rum, acetone, red dye number 2, scum, axle grease, battery acid, and or pepperoni, as you can probably imagine. It's one of the most caustic, volatile substances known to man. The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. Donc voilà, c'est bon. Be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Donc voilà, maintenant, vous savez... J'ai trois épreuves à accomplir pour devenir un pirate. Donc elles ont été expliquées ici, je pourrais retourner les voir pour aller voir les détails, mais en gros on n'a pas beaucoup plus de détails que ça là. Il faut que j'aille dans la cuisine maintenant. Porte à droite. Voilà, faut que j'attende que le cuisinier se barre. Ah non. Parce que du coup, Monkey Island est un jeu d'énigmes. Donc là, en l'occurrence, il fallait savoir qu'il fallait attendre. Et les autres choses que je peux faire,
Du coup, c'est... J'ai une liste d'actions possibles en appuyant sur V. Du coup, là, j'ai pris le morceau de viande. Là, je vais prendre le pot. Donc, j'ai plein d'options possibles. Je vais prendre le pot aussi. Là. Je peux essayer de prendre la casserole de ragoût, mais il y a quand même des limites. Je peux pas prendre tout et n'importe quoi. Ah oui, tiens, il y a un autre truc rigolo là par là. Hop. Hop, on... comment ça marche déjà? Ouais, j'ai le poisson à prendre. Mais je peux pas, il y a l'oiseau. Hop. Hop. Hop, casse-toi, oiseau. Hop. Je sais plus c'est combien de fois qu'il faut que je le fasse. Je sais même pas si c'est un nombre fixe de fois, c'est peut-être au bout d'un moment. Non, je peux pas le prendre. Allez, hop. Voilà. Du coup, maintenant, je peux prendre le poisson. Voilà, c'est ce genre d'énigme totalement stupide. Il y en a partout dans le jeu, hein, et elles sont même très compliquées par moment. Par exemple, là, je voulais prendre le tonneau, mais je peux pas. Enfin bref, mince. Je voulais pas ouvrir la porte, je voulais marcher. Donc, pour vous montrer un peu comment marche un point and click, je vais aller chercher de l'argent. Parce que pour le moment, j'ai aucun argent sur moi. Ça peut être utile. Mince, je vais pas faire pause. Ça peut être utile, donc je vais aller chercher de l'argent. J'en aurai besoin pour les épreuves, hein. Et on va arrêter la vidéo après avoir récupéré de l'argent, je pense. Mais d'abord, je vais sortir. Et là, il y aura une cinématique. Voilà. Deep beneath Monkey Island, the ghost pirate LeChuck ship lies anchored in a river of lava. Captain LeChuck, sir. There's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. No, sir. Nothing like it. Sir, it's days like this that make you glad to be dead. Oh, yes, sir. Glad to be dead. You are glad to be dead, right? Oh, yes, sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship and murdered me and everyone on board. Yes, yes, sir. Lucky. Humour vraiment particulier. You disturbed me for? Yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? What possible problem could there be? I've got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Well, there seems to be a new pirate in town. Actually, he's a pirate wannabe. Young, inexperienced. Probably nothing to worry about. Don't know why I bother you with it. I'll have him taken care of myself. Wait! I'll handle this personally. My plans are too important to be messed up by amateurs. Yes, sir. Donc voilà le grand méchant du jeu, hein, le Chuck. Parce que Dixit, les créateurs du jeu, Chuck, c'est cool comme nom. Dans leur précédent jeu, Chuck, c'était une plante verte. Enfin bref. C'est pas faux. Donc je disais, je vais aller chercher de l'argent. Donc faut que je revienne sur mes pas. Hop. Faut que j'aille à la falaise. Donc il y a le vieux qui est toujours là. Hein. Mais j'ai pas besoin de lui parler. Je vais aller à la map. Donc voilà, et il faut que j'aille au point... à la clairière, voilà, je sais plus comment elle s'appelait. Purée, en fait quand je clique à côté de la zone de jeu, ça fait pause. Voilà, le cirque. Cette magnifique animation de découverte du cirque. Donc, voilà. Well, I cannot do it. I hurt my hand taming the lions last week. I hardly think that little scratch compares to my chronic allergy. You get in the cannon. You don't have any allergies, you faker. You get in the cannon.
No, you get into the cannon! No, you get in the cannon! Slacker! Loser! Ruffian! Fop! Weasel! Weevil! Say there, son, how'd you like the chance? Déplacement rapide. Once in a lifetime a chance to perform an amazing feat. A death-defying feat? Well, not so death-defying, really. Dangerous a feat? No, not dangerous at all. An easy feat. But exciting. With the amazing. Adventurous. Acrobatic. And exceedingly well-known. Fabulous. Flying. Ferrucini Brothers. That's us. My brother Alfredo. And my brother Bill. Sound good? Good. It's very simple, really. See that cannon over there? All you have to do is get in the cannon and we'll shoot you out of it. Across the room. Quite safe, actually. So, what do you say? Bah, bien sûr, je vais le faire. Voilà. I'll do it. Donc, ils vont me donner de l'argent. 478 pieces of eight. Have you got a helmet? Est-ce que j'ai un casque? Oui, j'ai un casque. Et là, vous allez me dire, mais non, t'as pas de casque. Well, let's have it. We want to be sure that it's safe. Wouldn't want you hurt. No, sorry. Donc là, faut que je leur monte mon casque. Donc faut que je c'est donné, je crois. Il est où donné? Non, c'est pas utilisé. Donner, voilà, c'était le premier en fait. Donc donner, il faut que j'ouvre mon inventaire maintenant. Donc sur I. Et voilà. Voilà mon casque. Une superbe cocotte. Oui, ce jeu est totalement stupide. Hop. Echo! Echo! It works. Ça marche. Vite dit, hein. Hey, are you okay? Voilà, ce genre de stupide. Voilà, comme je suis à l'envers, le texte est à l'envers. I'm Bobbin. Are you my mother? He's all right. Hooray! We are spared an embarrassing and a financially debilitating lawsuit. Here is your money, sir. Donc, ils viennent de me donner l'argent. The basic theory is fine. We just need to change the aim a bit. I'll try it next. No, I'll do it. Alors avant, ils voulaient pas faire de tir de canon. Maintenant, ils se battent pour faire le tir de canon. Slacker. Loser. Ruffian. Fop. Donc voilà. Maintenant, j'ai de l'argent. J'ai toujours le poisson et le morceau de viande, mais je n'ai plus mon pot. Voilà, c'est comme ça que marche ce jeu, donc des objets à trouver, à utiliser aux bonnes personnes, au bon endroit, dans le bon ordre, enfin tout ça. Donc sur le chemin, je vais prendre un truc que j'aurai besoin plus tard. Hop, je vais aller un peu dans la forêt. C'est par là, je crois. Voilà, je vais prendre des fleurs. Hop, pick up, prendre. Voilà, donc j'ai pris des fleurs jaunes. Et maintenant, il faut que je reparte. Je marche vers le chemin. Je reviens. Voilà, ça fait presque 20 minutes que la vidéo est commencée, donc on va arrêter ici. Donc c'est un peu différent de ce que j'ai fait avant. Comme c'est pas un jeu de plateforme, il y a beaucoup plus de cinématiques. Donc je peux pas parler en continu aussi. Enfin, c'est différent. Donc j'espère que ça vous plaît quand même, hein, de... Partagez-la si c'est le cas, même si c'est pas le cas d'ailleurs, ça me fera plaisir. Suivez Bassone sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas Yakipon tous les mardis soirs pour League of Yakipon. N'oubliez pas un point sur l'actu tous les vendredis soirs. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.